Les gars, pardonnez cet accoutrement assez particulier. Nous sommes le 5 décembre, il fait donc froid et je suis dans les bois en train de promener et d'éduquer Baki, mon malinois de 9 mois demain. Et donc effectivement, je ne vous reçois pas dans la meilleure des tenues. Mais par contre, comme d'habitude, je vous prodigue le meilleur des contenus. Et ça, c'est d'autant plus important. Les gars, très brièvement, dans cette vidéo, j'aimerais aborder quelque chose qui est très peu abordé dans la manosphère française, dans les relations hommes-femmes en France. Et en réalité, il y a plusieurs choses. Je veux parler des quatre zones prédéfinies que nous avons, les hommes et les femmes. Deux de ces zones sont purement masculines et deux de ces zones sont purement féminines, même s'il existe effectivement des croisements et des fusions entre ces zones. Et la deuxième chose dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est de ce que les femmes ont mal compris à propos de l'attention et de la validation des hommes, de l'attention donc de la validation masculine. Les zones pour commencer, comme ça, on est réglé avec ça et on n'a pas besoin d'aller plus loin, ce sera bien ancré dans ta tête une bonne fois pour toutes. Il existe quatre zones distinctes dans les relations hommes-femmes. La première zone, on va s'intéresser d'abord aux zones féminines, puis on va arriver ensuite aux zones masculines. Chez les femmes, il existe deux zones en ce qui concerne le rôle qu'un homme va pouvoir avoir dans sa vie. La première zone, c'est la zone relation. Cette zone est réservée à l'homme qui va lui faire dire, et qui va faire dire également à son hypergamie, « Ok, lui, on va s'investir en lui émotionnellement, physiquement, on va vraiment essayer de construire une relation avec cet homme-là, on va laisser la société moderne et tout son bullshit de côté, on va laisser les autres mecs de côté, on va laisser les soirées, les sorties avec les copines à aller boire et se montrer en petite tenue de côté, et on va vraiment essayer de construire quelque chose de concret avec ce mec-là. » C'est la zone de relation simple, elle t'aime, il y a beaucoup de choses chez toi qui lui plaisent et donc elle va te mettre dans cette zone-là. La plupart des meufs ne peuvent mettre que des alphas dans cette zone-là, mais il existe également des femmes qui un peu plus tard, une fois qu'elles ont tapé dans le mur, ou alors des femmes qui n'ont pas forcément conscience des archétypes masculins, qui vont aussi pouvoir mettre des bêtas dans cette zone. Mais en général, cette zone est quand même préférablement allouée à l'alpha. Ensuite, on a la deuxième zone chez les femmes qui est la friend zone. Et oui, messieurs, il n'existe en réalité chez les femmes que deux zones qui sont la zone relation, sexe, etc. et la friend zone. La friend zone, qu'est-ce que c'est? C'est une zone dans laquelle la femme va mettre les mecs qui lui apportent des choses, donc peut-être de l'attention, de la validation, du temps, de l'aide, des conseils, de la présence, du fun, du temps, mais qu'elle ne veut pas baiser et avec qui elle ne veut pas se mettre en relation. C'est un peu les mecs qui font la queue pour l'avoir un jour, qui espèrent vraiment qu'ils l'auront un jour, mais qui en réalité ne l'auront jamais. Malheureusement, la plupart des mecs d'aujourd'hui sont complètement aveugles face à cette réalité et ne comprennent pas qu'une fois que tu es rentré dans la friend zone, c'est très compliqué, voire même impossible d'en sortir, puisque si elle te classe d'abord dans la friend zone, c'est que tu n'es pas intéressant, tu n'es pas assez intéressant pour aller dans la zone relation slash sexe. Là, on va me dire, mais Sensei, il existe une troisième zone. Les meufs ont une zone où elles mettent aussi que les plans cul. Et non, que nenni, mon ami. Ça, c'est ce qu'on essaie de te faire croire. En réalité, depuis que la contraception existe, il y a beaucoup de comportements que les femmes ont qui ne sont absolument pas naturels. Et le fait d'aller coucher avec n'importe qui sans avoir la moindre conséquence derrière, en tout cas la moindre conséquence visible, puisqu'il y a d'énormes conséquences sur leur psyché, sur leur spirituel, sur leur mental, en réalité également sur leur physique. Mais tout ça, c'est quelque part caché par la contraception. Mais je le répète, attention, il y a quand même énormément de conséquences. Tout ça pour te dire que non, il n'existe pas de sex zone chez les femmes, parce qu'en fait, une femme, quand elle couche avec un homme, au fond d'elle-même, elle le sait. Elle sait très bien que c'est sa monnaie d'échange principale. Elle le sait très bien, en tout cas en ce qui concerne les relations avec les hommes. Et donc, une femme, en général, quand elle couche avec un homme, quand elle ouvre ses jambes, quand elle ouvre son temple, pour celles qui savent encore que c'est un temple, à un homme, elle espère toujours qu'il y aura quelque chose de plus concret derrière. Elle lui offre son corps en se disant « Bon, il s'attachera à moi derrière. » Littéralement,
En ce qui concerne la chimie de l'être, la chimie du corps, lorsqu'une femme a un rapport sexuel avec un homme, elle sécrète énormément d'oxytocine. L'oxytocine, c'est littéralement l'hormone qui te lie aux gens. L'hormone qui te fait dire « Oh putain, comment je kiffe cette personne !» C'est évident, quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu fais avec tout le monde. Donc ton corps, pour fixer encore plus le lien, en tout cas chez les femmes, va sécréter énormément d'oxytocine. Et c'est pour ça qu'une femme, une fois qu'elle a couché avec un mec, en réalité, elle espère toujours qu'il y a quelque chose de plus, qui tombera amoureux d'elle, qui la validera plus, qui la prendra en relation, etc., etc. Nous les hommes aussi, il y a une hormone qui se fait, qui se sécrète lorsqu'on fait l'amour avec une femme. Et cette hormone, ce n'est pas l'oxytocine, même s'il y en a un petit peu, c'est la dopamine. Et c'est pour ça que les hommes sont aussi tournés vers le sexe, c'est parce que ça génère chez eux énormément, énormément de dopamine. C'est aussi pour ça que post-sexe, tout de suite après le rapport, l'homme n'aime plus rien et est dégoûté de tout, parce qu'en fait il a eu un pic instantané de dopamine au moment de son orgasme, qui en général en plus est éjaculatoire. La prolactine monte, la testostérone descend, la dopamine est montée puis redescend d'un coup, c'est le crash, bonne nuit et plus rien n'existe. Bon. Voilà pour les zones féminines, je pense que tu as compris un peu ce que je voulais te dire. Nous les hommes aussi avons deux zones. La première zone, c'est la zone où, comme les femmes, tu vas t'investir en une femme, c'est la zone relation. Je vais m'investir en elle, c'est une bonne femme, je vais la guider, je vais provider pour elle, je vais la protéger, je la garderai sous mon aile, je serai là pour elle, on va construire quelque chose ensemble. Bref, encore une fois, la zone de relation. La deuxième zone qui existe pour les hommes, ce n'est absolument pas une friend zone, loin de là, c'est la sex only zone. La zone où je te mets dedans uniquement parce que j'ai envie de te ken, malgré le fait que je sache que tu ne seras jamais ma femme et que je n'investirai jamais mes émotions et mes sentiments en toi. Les hommes n'ont pas grand-chose à gagner à être amis avec des femmes. À l'inverse, les femmes ont énormément à gagner à être amies avec des hommes. Amis entre guillemets, car elles savent en réalité qu'il y a une ambiguïté du côté des hommes, sinon elles ne seraient pas en train de faire la queue dans la friend zone. Mais encore une fois, une femme a beaucoup de choses à gagner à être amie avec un homme. Je le disais, de l'aide sur beaucoup de choses, des conseils, de la guidance, de la nourriture gratuite, de la protection, de la compagnie, tout ça, de la validation, etc., etc. Un homme, qu'est-ce qu'il a à gagner honnêtement à être pote vraiment avec des meufs quand il réfléchit? Pas grand chose. C'est pour ça que l'homme n'a pas la relation zone et la friend zone, mais bel et bien la relation zone et la only I fuck you zone et rien d'autre. Encore une fois, il existe deux types de femmes. Celles qu'on va mettre dans le statut de femme à marier, femme en qui on va s'investir, et il existe la deuxième catégorie de femmes qu'on peut appeler bitch, chouin, fille facile, garage à tub, tout ce que tu veux, qui finira uniquement dans la je te ken zone et nulle part ailleurs. Voilà pour très brièvement vous expliquer les quatre zones qui existent entre les hommes et les femmes dans les relations hommes-femmes, notamment en termes de séduction. Si vous voulez que je détaille plus ce sujet-là dans une autre vidéo, vous me le dites. Et je me ferai un vrai plaisir de vous expliquer le pourquoi du comment de chaque zone, qu'est-ce qu'elle signifie dans la psyché profonde, et voilà, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Maintenant, la deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la chose sur laquelle les femmes ont complètement tort en ce qui concerne l'attraction, l'attention et la validation des hommes envers elles. Cette chose, elle m'est venue à force de conversations avec énormément de femmes, aussi à force tout simplement de réflexions personnelles, à me dire, putain, les meufs, elles se montrent énormément, elles se maquillent énormément, elles se modifient énormément, elles se dénudent énormément. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la finalité derrière tout ça? Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, à cause de leur addiction numéro 1 qui est l'attraction masculine et la validation masculine. Jusque-là, ok. Tu découvres rien, tout ça tu le sais. Mais je me dis, putain c'est fou parce que quand même les femmes sont censées être au courant que les hommes divisent les femmes en deux catégories. Et que même si effectivement ils apportent de l'attention à ces deux types de femmes, l'attention finale
la logique finale, la destination finale n'est absolument pas la même. Et l'intention finale surtout n'est absolument pas la même. Les femmes disent souvent, ouais, mais les mecs aussi, si on se montre pas, si on n'est pas la plus bonne, si on n'est pas la plus dénudée, la plus vulgaire, vous nous calculez pas. Littéralement, si on n'est pas cette meuf-là, vous nous calculez pas. Regarde, quand j'étais au lycée, c'est mes copines les plus bonnes qui étaient les plus populaires avec les mecs. Regarde à mon travail, c'est ma collègue la plus bonne qui est la plus populaire avec les mecs. Regarde dans ma bande de copines, c'est ma pote la plus bonne qui est la plus populaire avec les mecs, blablabla. Bla bla bla. Certes, encore une fois, oui, elle a de l'attention. Oui, elle obtient de l'attention des mecs. Il n'y a rien à dire là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais quel type d'attention? Haha, l'attention de la zone only fucking sex. Tout ce que je veux, c'est te ken et rien d'autre. Le mec voit que cette meuf est une chouin. Le mec voit très bien que cette meuf est une bitch. Il sait que si lui l'a facilement, ça veut dire que n'importe quel mec l'a facilement. Et puis même, une meuf qui s'offre facilement, c'est pas attrayant aux yeux d'un homme, surtout d'un homme de valeur. Certains bêtas, certains simps vont être attirés par n'importe quel type de femme, mais les hommes les plus désirés, les hommes du top 1%, les vrais alphas, les vrais sigma, les vrais hommes qui savent ce qu'ils valent et qui ont des vrais standards, ils savent très bien quelle est la nature profonde de cette meuf et donc ils vont la mettre dans la deuxième zone qui est la sex only zone. Maintenant, tu vois toutes les meufs justement qui se préservaient, qui prenaient soin d'elles sans se prendre la tête avec ce que les mecs pensaient d'elles, etc., etc. Celles qui se concentraient sur leurs études, qui étaient là pour leur famille, qui s'habillaient correctement, de façon décente, qui n'avaient pas besoin de sortir tous les week-ends, qui ne s'alcoolisent pas la gueule, qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, qui ne mettent pas de faux ongles, de faux cils, de maquillage à outrance, qui ne mettent pas de filtre, qui s'instruisent, qui lisent, qui ont des jobs normaux, qui ne cherchent pas à être les plus connus, etc. Oui, effectivement, peut-être qu'au début de leur vie, elles ne vont pas avoir énormément d'attention des hommes. Peut-être. C'est un fait, c'est réel. Je suis d'accord avec ça. Par contre, c'est elles qui gagnent la course. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le gars, il va vouloir se poser. Le gars de valeur que toutes les meufs veulent, il va vouloir se poser. Et à ton avis, il va se poser avec qui? Après avoir sué, transpiré, saigné pour créer son empire, à ton avis, avec laquelle des deux meufs là que je t'ai décrites, il va avoir envie de le partager? Laquelle de ces meufs va s'être faite passer dessus par 30, 40, 50 mecs et derrière va réclamer un alpha qui prendra soin d'elle et qui acceptera son passé? À ton avis, est-ce qu'il lui offrera cette chose-là? Ou est-ce qu'il se dira pas plutôt, waouh, attends, là face à moi, il y a une meuf, elle a 25 ans. Elle est jeune, elle est fertile, elle est belle. Elle s'est pas donnée à n'importe qui. Elle a pris soin d'elle, elle prend soin de ses parents. C'est une meuf normale, avec un travail normal. Elle est pas superficielle, elle est pas matrixée par la société. À ton avis, à laquelle des deux il va prendre la main? À laquelle des deux il va proposer de devenir sa femme pour la vie? À laquelle des deux il va proposer littéralement de s'investir en elle pour toujours? Laquelle des deux? La deuxième. Donc effectivement, je reviens sur ce que je disais. Les meufs qui se montrent beaucoup, les meufs qui s'habillent court, qui sortent, qui boivent, qui sont vulgaires, qui se font entendre, remarquer, qui s'affichent sur les réseaux, qui se maquillent avec des ongles pas possiblement longs, des cils pas possiblement longs également. Ok, elles vont avoir de l'attention, je suis d'accord. Encore une fois, je suis 100% d'accord avec ça. Mais le type d'attention qu'elles vont avoir, il est dégueulasse. Nous, les mecs, on le sait. Entre nous, on le sait. Notamment les mecs dans l'abondance, on le sait. Le type d'attention que ces meufs-là vont avoir, il est dégueulasse. Je connais des meufs de moins de 25 ans autour de moi qui ont couché avec 30, 40, 50 mecs et qui osent encore. Qui ose encore dire, mais je comprends pas, à chaque fois je me fais avoir, ils me kennent et après ils me laissent tomber, je trouverai jamais un mec bien. Mais ma gueule, comment veux-tu trouver un mec qui te respecte? Tu ne te respectes pas. Tout ce que tu fais, c'est continuer à détruire ta capacité à réellement t'attacher à des gens puisque tu couches avec n'importe qui. Penses-tu vraiment qu'un mec qui est dans l'abondance et qui peut avoir n'importe quelle femme sur terre va choisir une femme qui s'est faite rouler dessus par 50 autres mecs? Absolument pas. Une meuf qui s'est complètement détruite hormonalement avec de la contraception depuis ses 16 ans. Absolument pas. Une meuf qui est complètement matrixée par la société au point de mettre encore une fois des faux ongles, des faux cils, des push-ups, des tout ce que tu veux de faux, du superficiel encore une fois, du synthétique. Absolument pas. Donc là j'en place une rapidement pour les filles normales avec des boulots normaux, avec une façon de voir la vie traditionnelle et normale. C'est vous qu'on va marier plus tard. C'est vous les vraies femmes à nos yeux.
Oui, ne vous laissez pas avoir par cette tentation du diable d'aller vous faire troncher à droite à gauche juste pour avoir de la validation, juste pour ressembler à vos influenceuses qui ont percé en faisant des sextapes, juste pour faire comme les rappeuses d'aujourd'hui et les rappeurs d'aujourd'hui disent que les femmes doivent se comporter. Ne vous faites pas avoir par ça. Protégez-vous de ça, sérieusement, sincèrement. Protégez-vous de ça parce que ça mènera à rien de bon pour vous. Donc encore une fois, restons lucides. Gardons les yeux ouverts, auxquels elles ont beaucoup plus d'attention au départ. Mais à la fin, qui gagne? Les filles bien, frère, les filles simples. C'est elles qui gagnent à la fin. Elles, elles se retrouvent à 25 ans, 30 ans, avec un mari qui provide pour elles, pour la famille, qui la protège, qui va acheter une maison, qui va l'emmener en voyage, qui va l'emmener découvrir le monde, qui va la présenter à sa famille, à ses amis, avec qui il va avoir de super enfants. Il va lui permettre d'être une mère dévouée. Il fera en sorte qu'elle n'ait pas besoin de travailler parce qu'il est là financièrement pour assurer, pour qu'elle puisse se laisser aller à sa féminité divine, à son rôle de mère, de nourricière, de transformatrice de ressources. Elle, voilà ce qu'elle va gagner à s'être préservée. Tu sais ce que l'autre va gagner? Elle va arriver pareil à 25-30 ans. Et puis elle aura clamé, comme le néo-féminisme lui dit depuis je ne sais combien de temps, je fais ce que je veux, je suis libre de mon corps, je me sape comme je veux, les mecs c'est tous des chiens, je vais moi aussi devenir une chienne, il n'y a pas de raison que les mecs aient le droit de faire ceci, ceci, cela. Et elle, elle va se retrouver toute seule. Aucun mec de valeur ne voudra d'elle. Parce qu'un homme de valeur, c'est la chose la plus voulue du monde. Les gens te font croire que c'est les meufs bonnes, les choses les plus voulues du monde, mais non. Elle veut quoi, la meuf bonne? Elle veut quoi? Elle veut l'homme de valeur. Et elle veut quoi, la meuf pas bonne? Elle veut l'homme de valeur. Elles veulent toutes l'homme de valeur. En tant qu'homme de valeur, en tant qu'homme accompli, en tant qu'homme avancé, ancré dans sa masculinité, tu es la denrée la plus rare sur Terre. Tu es la denrée la plus rare sur Terre, mon frère. Comprends ça. Donc, comme je le disais, donc voilà ce qu'elle va avoir, la deuxième meuf. Voilà ce qu'elle va avoir. De la solitude, du dégoût des vrais hommes. À la rigueur, de la peine pour ceux qui ne seront pas dégoûtés par elle. Mais elles nous font juste de la peine. Et elle se retrouvera seule. Et elle finira avec un bêta frustré qui acceptera de passer après 50 mecs. Qui lui fera des enfants et puis ensuite elle le divorcera parce qu'elle se sera fait troncher par un alpha. Puis ensuite elle se retrouvera un beau-père pour éduquer les enfants du premier bêta. Un deuxième bêta pour s'occuper de la semence et de la descendance du premier bêta. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Simple, efficace, pas de bullshit, que du réel. www.alphacademy.com, vous connaissez. Continuons de respirer l'air frais, de nous faire du bien malgré cette société malade qui nous prend pour des cons, qui essaye de faire de nous des putains de soldats de Satan. Stay awake, motherfuckers. Gardez les yeux grands ouverts, gardez l'œil grand ouvert. Encore une fois, pas de bullshit, que du réel. Kylan Sensei, fucking out. Peace out, boys. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylan Sensei. Salut YouTube!